ces bannières. L'insigne de l'armée des immortels. Avant même de pouvoir te prendre dans mes bras, j'ai failli te perdre, Lara. Mais tu t'es battue, bien décidée à vivre. Tu as respiré, agité tes minuscules poings, et tes hurlements ont retenti dans tout l'hôpital. Je n'avais jamais entendu de son aussi beau. En rentrant à la maison sous la neige cette nuit-là, je me suis fait cuire un steak, après quoi j'ai bu la moitié d'une bouteille de whisky. J'ai essayé de marcher dans la neige avec des raquettes de tennis, et je me suis endormi avec le chat. J'étais tellement heureux. J'ai bien dû entendre cette histoire une dizaine de fois. Mais je ne m'en lasse toujours pas. J'aurais aimé que ça dure. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Les structures ont été abîmées. La bataille a causé beaucoup de dégâts. Mais la cité tient encore debout. Cette fresque rend hommage aux combattants morts et aux victimes de la maladie et de la faim.
suis presque. La chambre des âmes est derrière cette porte. Je dois juste trouver un autre trébuchet. Tu ne peux rien faire de plus pour m'aider. Va te mettre en lieu sûr. Pas question. Tu as besoin de nous autant qu'on a besoin de toi. On survit ensemble ou on meurt seul. Allez, vas-y. Il faut que j'atteigne le sommet de la tour. Mais cette glace me barre la route. Il doit bien y avoir un moyen de la casser. Quelque chose me barre la route. Il doit y avoir un moyen de la dégager. J'ai pas assez de force.
Ça a marché. Je vais pouvoir aller enfoncer cette porte. Les mécanismes gelés me compliquent la tâche. Les soldats mongols ont dû se retrouver enterrés dans la glace avant de pouvoir atteindre le cœur de la cité. Le siège de Kitej a certainement duré des mois.
Un autre poids. Ça a marché la dernière fois. Ça devrait faire contrepoids. Ah.
trop haut. Un peu plus haut. Oui, ça a marché. Les archers, faut que je m'en débarrasse. Qu'est-ce qu'il y a avec ce truc ?